à toutes et à tous. Ce matin, à travers ce tutoriel, je viens avec vous pour partager une astuce. On y va? Vous aimez coudre. Vous avez beaucoup de patience avec le fil qui parfois casse, avec un point qui est mal réglé. Mais avec elle, il n'y a pas moyen. C'est toujours pareil. À peine vous la touchez, elle se sauve. Vous la remettez en place à nouveau, elle se sauve. Et vous courez. Après qui vous courez? Après la pédale à machine. Oui, nous avons tous connu ce problème. Cette pédale qui malheureusement, à peine vous appuyez dessus, elle se sauve. Vous la rattrapez, à nouveau vous la remettez en place. Vous allez coudre quelques minutes et à nouveau, elle ne reste pas en place. Et c'est constamment comme ça, le long de votre ouvrage. Pour remédier à ce problème, c'est très simple. Nettoyez le bas de votre pédale. Prenez du velcro. Généralement, il est composé de la partie femelle, qui est la partie douce, et de la partie mâle, qui est plus rigoureuse. Celui-là, partie plus douce, vous le mettrez de côté. Vous allez prendre la partie rigoureuse. Et vous allez couper deux morceaux de la largeur de votre pédale. Ils sont généralement autocollants déjà. Vous aurez juste à enlever ce papier, coller le premier morceau en haut de la pédale. Ne tenez pas compte de ça, venez et posez par-dessus. Une bonne pression pour bien coller. Et voilà, votre problème est résolu. Ce tapis que vous avez tous reconnu, celui de la souris de l'ordinateur, que je vous conseille d'utiliser afin de ne pas abîmer ni votre parquet, ni votre tapis, qui est très pratique. Votre pédale restera en place, je vous le garantis. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous!